fais cette petite vidéo vite fait. J'ai pas pu mettre la culasse en alu, enfin le protège-culasse de chez Maxi Pièce. Parce que c'est clairement de la merde, tu vois. Moi, quand c'est de la merde, je te le dis, tu vois. Le filetage, il est pas bon, donc je le referai pour une autre machine. Là, en l'occurrence, tout est monté. Tu vois, bon, les carters, ils sont rincés. Ce que tu entends là, c'est les clapets qui. Je sais pas si tu vas voir. J'essaie de te le montrer. C'est les clapets qui s'ouvrent, en fait. Je vais te montrer comme ça, du mieux que je peux. C'est les lamelles qui s'ouvrent. Mais bon, ça comprime, tu vois. De fou. Donc là, j'ai tout refait, la pompe, etc. Demain, je m'attaque. Là, ça comprime de malade. Demain, je m'attaque à changer le fil antiparasite du CDI. Là, ça comprime de ouf aussi. Enfin, ça embraye comme il faut, tu vois. Embrayage Kevlar. J'ai mis un peu d'avance à l'allumage. Ça, tu le verras, je pense, sur la vidéo que je vais poster. Donc, je pense qu'elle sera en ligne demain. Là, je te mets celle-là, c'était juste pour que tu vois le moteur fini, tu vois. Voilà. Et là-dessus, je vais essayer de te montrer. Voilà, tu vois. Il y a un joint pare-feu, c'est le noir en haut, et un joint gris normal en dessous. Voilà. Et bien voilà, le reste de la vidéo demain. À bientôt.